Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous sommes là. Nous sommes là. Sur la terre de Tari. 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 Écoute la parole de l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, 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 shalom. Peuple béni de l'Éternel. Voilà, et comme je l'ai dit hier, il nous a dit, alléluia, de prêcher à toute occasion. Alléluia. Chez nous, il n'y a pas des occasions défavorables. Toutes les occasions sont favorables pour nous, pour prêcher l'évangile, pour parler de Jésus-Christ, pour révéler Christ. Alléluia. Quand vous voulez voir déjà, ça se passe sous la pluie comme ça. Nous sommes montés sur le terrain et la pluie a commencé aussitôt. Alléluia. Donc, on ne s'est pas arrêté quand même. Nous sommes dans la prière comme ça. Et nous sommes sous la pluie comme ça, en train de prier pour pouvoir vraiment monter sur le terrain. La pluie ne peut pas nous décourager. La vision est toujours vision. Alléluia. Nous fuissons devant et non derrière. La pluie ne peut pas empêcher le voyage d'aujourd'hui parce que c'est Dieu qui ordonne à la pluie de tomber. Alors, donc, c'est pourquoi nous sommes là, sous la pluie, pour pouvoir aller gagner aussi des âmes. Les âmes souffrent dans la maison, donc la pluie ne peut pas nous empêcher d'aller sauver des âmes. Soyez bénis.
Alléluia, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis abondamment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, et Dieu, il est toujours Dieu. Il est le sauveur des sauveurs. Il est le Dieu, vraiment, Dieu de compassion, vraiment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la pluie ne peut pas nous empêcher d'annoncer l'évangile. Et rien ne peut même nous empêcher de prêcher aux âmes, d'annoncer l'évangile aux âmes. Donc, tout à l'heure, quand on était aussitôt monté sur le terrain, aussitôt la pluie a commencé, mais on n'a pas regardé la pluie. Alléluia, on s'est mis dedans et on a commencé par prier, on a commencé par chauffer. Mais c'est venu à un niveau donné où vraiment, prophète inspiré par le Saint-Esprit, nous avons commencé par prier afin que le Seigneur puisse vraiment nous arrêter la pluie, pour qu'on puisse vraiment atteindre l'objectif pour lequel nous sommes venus sur ce territoire de Toribo Sito. Donc, aussitôt la pluie a commencé, aussitôt le Seigneur a encore exaucé nos prières. Et comme vous voulez, vous voyez comme ça, la pluie a déjà cessé et tous les âmes sont déjà sur le terrain en train d'évangéliser comme ça. Vraiment, notre Dieu, il nous écoute. Il est le Dieu qui nous écoute de tous les autres. Le Dieu de tout temps, alléluia. Et quelles que soient les requêtes, quelles que soient les prières que nous lui envoyons, nous lui adressons, si c'est cette requête, l'arrange et l'avantage, il les ose toujours. Alléluia. Donc voilà, quand nous l'avons demandé, comme le prophète a été vraiment inspiré, il a reçu l'inspiration de dire vraiment Dieu, nous sommes venus sur un terrain et nous voulons vraiment gagner les âmes pour toi. Et c'est pourquoi nous sommes venus. Donc voilà l'objectif pour lequel nous sommes à Toribo Sito. Nous ne sommes pas venus pour rendre visite ou bien nous ne sommes pas venus pour un tourisme. Alléluia. Donc nous sommes venus pour parler de toi aux gens. Alors si c'est vraiment l'objectif qui vient vraiment de toi, si c'est vraiment une vision qui vient de toi, vraiment Seigneur, arrête-nous la pluie afin qu'on puisse vraiment et atteindre l'objectif, et vraiment le Seigneur a exaucé nos prières. Nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire soit rendue d'éternité en éternité. Voilà, les âmes sont déjà à l'aise sur le terrain en train d'évangéliser comme ça, et nous voyons déjà que le soleil s'élève encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.